Le Scan Sport, dans le documentaire sur les coulisses de la saison de Manchester City sorti mi-août, une séquence attire l'attention, un discours destiné à motiver ses joueurs dans le vestiaire. La saison 2017-2018 a été historique pour Manchester City. Le club anglais a en effet remporté le titre de champion d'Angleterre avec 19 points d'avance, mais aussi la Coupe de la Ligue et le Community Shield. L'occasion pour service de vidéo à la demande d'Amazon, baptisé Prime, de réaliser un documentaire sur le parcours des favoris de la Première Ligue cette année encore. Intitulé All or Nothing, tout ou rien en français, il dévoile des séquences inédites des coulisses des matchs et entraînements des Citizens. Dans ce long métrage, dévoilé mi-août, un homme est particulièrement mis en valeur, Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens. On observe à travers les différents extraits le rôle majeur qu'il a endossé dans le succès de son équipe. Ses mouvements énergiques au cours d'un discours n'ont d'ailleurs pas manqué d'être parodiés sur Twitter. Une image marquante est sans conteste le discours prononcé par le technicien espagnol, vraisemblablement à la mi-temps d'une rencontre où ses hommes étaient menés. Il expose alors les problèmes qu'il a repérés, et les stratégies à mettre en place pour remédier à ses faiblesses. À peine rentré dans le vestiaire, l'entraîneur de 47 ans lance à ses troupes avec virulence, assis, personne ne parle. Très remonté, il n'hésite pas à se mettre personnellement en cause pour la déconvenue de ses joueurs, si vous êtes triste, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Je ne suis pas bon du tout, point, je le sais, avant de les interpeller, je ne suis pas Dieu, je fais des erreurs. Essayez d'aider. Dans une autre séquence, diffusée sur la bande annonce, il n'hésite pas à les motiver en leur exposant les problèmes. Aujourd'hui, je n'ai pas vu l'envie de gagner, lance-t-il, visiblement agacé. Je ne l'ai pas senti, point, certains d'entre vous jouent bien mieux en étant fâchés avec moi. Il va alors faire une demande plutôt originale pour aider ses joueurs à retrouver de la motivation, donc si vous me détestez, détestez-moi les gars. Pep Guardiola est un habitué des discours remarqués. Lors d'un entraînement, en mars dernier, il avait mis la pression à son effectif en leur rappelant qu'il n'était pas encore champion d'Angleterre. Il leur avait alors répété, « Si vous êtes fatigué, allez-vous faire ».